Hey yo, salut, c'est Sierra, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi c'est nickel, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau tutoriel en ce mardi 17 août 2021. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti de vidéo. En effet, petite pause estivale, parce que vous savez, comme un youtubeur, des fois aime bien prendre des pauses. Et là, en effet, on était endetté, voilà, moi je travaillais du coup. Donc dans ces moments-là, on profite un peu de ses vacances, on va travailler pour gagner de l'expérience et un peu d'argent, bien sûr. Voilà, on est là pour ça de base, même si, parce que du coup j'avais un contrat de travail avec en tant qu'agent commercial sur le niveau du RER B en fait, du coup, qui m'a pris du 10 juillet au 20 août. Bon, je travaille que du jeudi à dimanche. Bon, là ça va, je finis ce vendredi 20 août, donc à partir de 20 août je serai plus tranquille. Pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo, mais pour l'instant on va essayer de faire avec. Et à partir du normalement, à partir de des week-ends prochains, on devrait, je pense, reprendre des vidéos. Comme prévu, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo, il n'y a pas eu de planning. C'est maintenant, là je le faisais un peu au feeling. Aujourd'hui dans cette vidéo, aujourd'hui je fais une vidéo de tutoriel. J'ai pas l'habitude de faire un tutoriel sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça que j'en fais une. Parce qu'on se fait, on se fait un tutoriel parce que c'est un tutoriel que vous me demandez pas mal des fois en commentaire ou même dans Discord. C'est un tutoriel sur comment on essaie d'installer des fois des mods, des maps sur Metro Simulator Beta. Parce que certains, plusieurs personnes me demandent, ouais, mais c'est compliqué, j'en arrive pas à voir comprendre, c'est des fois pas expliqué, ça n'a pas été expliqué. Donc, je vais quand même vous expliquer comment on fait, comment est la procédure, et je vous montre ça avec une carte et un métro, et ce sera la même chose pour tous les métros. Je vous rappelle bien sûr que tous les mods seront bien sûr disponibles sur le forum, mais je vous enverrai bien sûr tous les liens en description de la vidéo pour les télécharger. N'oubliez pas qu'à chaque vidéo que je poste, que ce soit Metro Simulator Beta, voire même Homecity 2 bien sûr, de bien sûr de regarder la description de la vidéo, car à chaque fois je vous envoie, si possible, quand je l'ai, le lien de la carte, de la map pour vous le télécharger. Comme toujours, n'oublie pas bien sûr de liker la vidéo si tu as aimé cette vidéo et ce contenu, et bien sûr à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc du coup là pas de vidéo, donc là je dis pas mon message habituel d'une vidéo toutes les semaines parce que attention je le respecte pas trop avec cette période estivale. Vous avez pu remarquer que c'est en ce début de vidéo, il n'y a pas eu l'intro habituel parce que j'ai envie de le délaisser. Je trouve que cette intro là que j'ai depuis quasiment 2018 alors que j'ai utilisé qu'en 2020, donc je trouve que 2019, je trouve que c'est un peu. De toute façon en plus j'ai prévu un nouvel habillage, un nouvel intro pour ma chaîne, donc on va. Bon, ça peut être maintenant comme que dans 2 mois ou 3 mois. Donc, j'espère le sortir très prochainement et très rapidement. Pour l'instant, on se fait avec l'intro type TCFR. Donc là, on est sur mon bureau de mon PC. J'ai pas l'habitude de vous le faire. Parce que souvent, on est sur une game dans les jeux habituels. Vous voyez, dans les Homecity 2, même Minecraft, qu'on aura. J'en ai déjà eu, il y en a déjà eu, du Mini-Métro. Garry's Mod reprendra avec Gmod, par exemple. Et vous pouvez voir qu'il y a aussi d'autres jeux que je n'ai pas pu présenter. Il y avait Geometry Dash. Bon, Métro, bien sûr qu'on y joue. Roblox, on y joue. Cities Motion, je voudrais bien vous faire un let's play, on verra bien. Genshin, bon, pour l'instant, moi, c'est que personnel, mais je ferai pas de let's play. Par contre, Tram Sim World 2, c'est le jeu que je me suis procuré là sur avec Epic Games, parce qu'en début d'août, il y avait le jeu qui était gratuit, donc je l'ai pu le télécharger rapidement. J'ai déjà deux modes, il y a déjà des cartes, donc je sens qu'avec celui-là, on va pouvoir peut-être faire des vidéos. Sinon, en parlant de vidéos, j'ai déjà prévu quelques vidéos dans le futur, déjà pour fin août. On aura du Homecity 2, on aura du Roblox parce qu'en fait je vais vous présenter une nouvelle update, l'update de Transport Simulator 2021, vu que je suis admin et que j'ai accès à l'update. Donc du coup je vais pouvoir vous montrer là une ligne qui a bien évolué dans le futur update. Vous allez voir tout ça dans une prochaine vidéo. Et aussi je vous ai prévu plein de vidéos sur Metro Simulator Beta parce que en fait plusieurs trains. Plutôt des tramways sont sortis récemment au nombre de 3. Un est sorti le 25 juillet, c'est le Alstom TFS. Et deux autres qui sont sortis, je crois que ce week-end. Deux tramways en même temps, donc ça fait trois mois en même temps, en l'espace de moins d'un mois. Une c'est la 11G, 12G et l'autre c'est la NZH tram. Donc tout ça, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo, bien sûr. Du coup, alors, pour commencer à installer une carte, on va de suite aller sur en fait le lien du. Alors j'étais avant sur autre chose, j'étais dans des repaints parce qu'en effet tout se passe sur le lien du jeu, donc dans sims.bnet.nl. Donc ici vous avez deux catégories, vous avez plusieurs catégories, forum, YouTube channel et wiki. Donc si vous voulez voir sa chaîne YouTube, vous pouvez y voir. Il va peut-être des fois vous présenter d'autres, des contenus inédits et des avancements, donc je vous invite à aller voir.
Et après, vous avez deux parties qui sont très importantes, le forum et le wiki. Le forum, ça va être la partie la plus importante, car c'est la partie où vous allez voir toutes les informations, les salons, les channels pour en discuter et tout. Bon, moi, j'ai mon compte déjà personnalisé qui est mon ancien pseudo. Et qui, du coup, quand on va dans la partie English, on va pouvoir avoir accès à plusieurs. Salons de chat qui parlent. Donc là, il parle de nouvelles cartes. Là, il parle du coup d'un des drames en question quand je parlais. Le fameux l'Amsterdam, des cartes. Donc ça permet en effet de toujours être au courant sur les différents avancements qu'il y a dans des trains ou dans des métros. Je vous invite bien sûr à regarder le forum parce que c'est important de savoir entre guillemets les évolutions. Et la partie wiki, c'est là où vous allez centraliser la plupart de vos informations, de vos add-ons et vos mods. Et ici dans la partie download, donc là ça va être les versions du jeu. Donc 3.9 si vous êtes malheureusement en 32 bits votre PC. Si vous êtes en 64 bits, vous pouvez jouer en dernière version. Si vous n'avez pas le 64 bits, vous ne pouvez pas jouer en 3.7.1. Voilà, pour savoir. Et nous, on va aller dans la partie wiki, du coup. Hop, on va la réouvrir. Car c'est dans la partie wiki qu'on va avoir, en fait, vous voyez, plein d'informations. C'est là où on va pouvoir avoir des fois des tutoriels. Donc ici, par exemple, des tutoriels pour des commandes. Du coup, des panels, là, vous pouvez voir, du coup, la plupart des cartes qui sont déjà présentes. Simvielt, Rheindam, Rotterdam, Glasgow, Toronto, City of Sam, Epping, Ungarn et Central Line, et Simtra, Narrow, Gutstram. Et après, donc Rolling Stock, c'est les trains, les trams, le métro. Maps, donc là vous avez les parties fictifs et réelles. Et donc là les systèmes de sécurité et de feu. Et d'autres trucs où vous avez par exemple les différentes versions du jeu. Les replays, les activités, là, certains des parties ici sont intéressantes parce qu'ils sont déjà ouverts là et que vous pouvez les télécharger. Mais par exemple, alors on va télécharger une carte que tout le monde connaît, on va dire, qui est assez connue, c'est Rheindam 2022. Et là, vous êtes par exemple en mode, vous voulez chercher une carte, la carte, là, une des plus grosses cartes, vous voulez par exemple, télécharger la dernière version, par exemple, vous cliquez par exemple sur Metro Rheindam 2022, ou sur le bouton 2022 par exemple, ou vous pouvez directement aller dans fonctionnel map. Donc fonctionnel map, ça ressemble à ça en fait, la partie map. Donc là vous avez parti les fictifs et les parties réelles. Donc en fait, pour savoir les codes couleurs, tout ce qui est vert, c'est ce qui est déjà fourni avec le jeu. Donc par exemple Simvielt par exemple. Tout ce qui est en bleu, c'est tout ce qu'il faut télécharger. Donc là vous voyez qu'il y en a pas mal. Là vous pouvez télécharger, télécharger, télécharger. Cette carte là vous pouvez télécharger. Le Finger vous pouvez télécharger. Celui-là est déjà prêt dans le jeu. Celui-là vous pouvez télécharger. Tu vois, déjà dans le jeu, Glasgow pouvait télécharger, Toronto pouvait télécharger, et Epping, Ungarn et Central Line pouvait télécharger. Tout ce qui est en jaune, donc si c'est en rouge, c'est que c'est du coup pas disponible qui est uniquement disponible avec la version 3.9. Donc si vous êtes en 3.9, vous pourrez jouer avec la 2013-2017 de Rheindam de Simvielt. Il n'y a pas d'autre. Et si vous êtes en jaune, comme la carte Dutch National Railway Inspired, qui est du coup que c'est une carte qui est en cours. Alors. Là, du coup, on aurait téléchargé du coup Rheindam 2022. Soit vous allez ici et vous cliquez 2022, soit vous êtes dans le Wikipédia et vous cliquez directement ici. C'est plus rapide. Donc là, vous c'est quoi en Wikipédia? Vous avez en fait toutes les informations sur la carte. Par exemple, voilà, vous avez toutes les versions de Rheindam, par exemple, les redirections. Donc là, c'est en fait c'est vraiment une page Wikipédia qui est en fait libre de droit pour en fait tout le monde peut l'utiliser en fait. Donc pour créer leur propre site. Donc là par exemple, donc là il y a toutes les lignes qu'il y a, les dépôts, les systèmes de protection, les différents trains qui sont par exemple, dedans, les différentes updates qu'il y a eu. Et après, à chaque fois, en description de qu'est-ce que c'est que les lignes, les arrêts, les codes mission, les destinations. Vous avez pas mal d'informations, les dépôts là, vous avez les dépôts ici, les sécurités, le signalement, les feux et tout. Et après, bah, une page un peu comme Wikipédia qui vous redirige sur d'autres parties. Donc, pour télécharger, vous devez en fait, ce sera en fait ici, chaque fois vous allez dans la partie download et vous voyez toutes les versions que vous pouvez télécharger. Donc, si vous voulez toute la version 1.6, toute la version de Rheindam 2022, vous cliquez 1.6. Et après, vous avez des versions différentes ou par exemple, vous avez des versions séparées. Si vous voulez que le métro de 2022, vous cliquez sur celui-là. Et si vous voulez que la partie train. Vous cliquez Rheindam Railway. Je vous conseille quand même d'installer Rheindam Railway 2022 parce que certaines lignes de train ne sont pas dans l'1.6. Parce que sinon, après, la carte serait trop grosse. Donc, je vous conseille de télécharger celui-là et celui-là. Après, si vous voulez jouer que du métro parce que vous voulez pas avoir le tramway parce que vous avez un PC qui lag trop, là, je vous conseille de télécharger le métro. Voilà, pour si vous voulez profiter que du métro.
Donc du coup, pour télécharger, c'est hyper simple. Vous cliquez sur ce bouton-là. Ensuite, vous avez un délai de 15 secondes. Vous devrez attendre qu'un bouton s'affiche pour le télécharger. Et qu'après 15 secondes, il y aura un bouton qui s'affiche et vous allez cliquer dessus. Et qu'après que vous ayez cliqué sur le bouton qu'il faut, vous avez ce bouton-là qui vous demande que le téléchargement va bien être fait. Mais comme du coup, c'est pas automatique, vous devez cliquer dans Click Here. Et après, vous téléchargez le fichier. Donc là, vous faites OK. Donc moi, je l'ai téléchargé de base pour en fait faire avant la vidéo. Donc ça veut dire qu'en gros, que vous cliquez sur le bouton OK, vous le téléchargez. Et normalement, votre fichier du téléchargement devra être dans le fichier téléchargement. Et il aura, portera ce nom-là. Raynam 2022 Full Edition version 1.6.2. Moi, je l'ai foutu dans le dossier tuto MSB pour moi, pour en effet vous montrer les fichiers en question. Et par exemple, on va de suite installer par exemple une RAM de métro. J'en ai vu beaucoup, on faisait beaucoup de français, et vous vous dites, ah bah je suis fan de MF73 et MP73 et MF67. Du coup, par exemple, vous allez sur la page wiki, vous cliquez sur un des deux boutons, de toute manière, il a la même page. Vous faites la même procédure que pour la map. Donc là, vous avez toutes les descriptions, les différentes caisses, comment est compositionné les caisses. Si vous faites, par exemple, vous êtes en Explorer, comment coupler une RAM, vous faites M, puis N, puis A, puis B, et vous mettez le M reverse, et ce sera la même chose pour le MP73. Donc là, il y a toutes les versions qu'il y a disponibles dans la carte, et tout ça, c'est ces codes-là qui vous servira si vous faites des activités. Donc là aussi, pareil. Donc là, je vous montre comment les différentes manières de changer votre destination. Il y a aussi le convoi d'Auteuil. Donc vous avez pas mal d'informations si vous voulez regarder, jetez-y un coup d'œil. Donc là vous allez faire le même principe que pour la map. Vous cliquez sur le bouton download, vous attendez les 15 secondes, vous cliquez sur le bouton mieux qui va être apparu 15 secondes plus tard, et après vous faites click here pour en fait parce que du coup le téléchargement n'est pas automatique, il n'y a pas l'onglet qui s'active automatiquement. Après que vous ayez en effet vos fichiers, donc là le fichier s'appellera Metro Simulator, Alstom Metro. Donc, pas besoin de télécharger aussi si vous voulez par exemple le MP89 qui est par exemple qui est là du coup. Il sera dans ce dossier-là parce qu'en fait Alstom Métro comprend en fait tous les métros d'Alstom, que ce soit la version chilienne, la version parisienne, la version lausannoise, du coup que ce soit MP89 ou MP73, vous avez toutes les versions à l'intérieur. Ainsi que toutes les autres armes de type, je crois, Mexique et tout. Donc maintenant que vous avez ça, maintenant faudra voir, faut, maintenant faut savoir où faut télécharger. Pour le télécharger, c'est aussi simple que ça. Faut déjà d'abord trouver où se situe le dossier du jeu. Soit vous faites un clic droit sur la raccourci du transformateur bêta et vous faites ouvrir l'emplacement du fichier. Soit vous savez exactement où le fichier se situe. Et donc dans le fichier 6U, je vous montre quand même au cas où, il se trouve dans le disque local C qui moi est mon étant sueur. Vous allez dans Programme et se portera le fichier Metro Simulator. Et c'est là que dans ce fichier, vous voyez tous les fichiers du jeu ainsi que les modes qui sont en 000. Pour installer un mode, c'est aussi simple que ça. Vous aurez par exemple le fichier rare de la carte de Random 2022. Vous, du coup... Pour chaque mode, que ce soit une carte ou une RAM de métro, il faudra déplacer le fichier random, le fichier 000, dans le dossier du jeu. Que je ne vais pas le faire parce que moi il est déjà ici. Et les data, qui est en fait en lien avec toutes les activités du jeu. Vous pouvez voir toutes les activités qui ont lien avec le jeu. Et là c'est pareil, vous faites la même chose, vous déplacez le fichier data dedans. Ensuite, quand vous avez fait. Pour la RAM de la carte Random 2022, vous pouvez faire aussi la même chose avec une RAM de métro. Là, avec la RAM Alstom, donc le pouvoir qui est dedans, il y a le MF67, MF68 qui est du coup, je crois que c'est au Mexique, je crois que celui-là, ou je crois que c'est Montréal, un doute, j'ai un doute. MF74, bah, du coup, c'est la version qui est présente sur. Du coup, en fait, il y a toutes les versions. Par exemple, je vais vous montrer par exemple, si vous voulez l'image. Donc là, par exemple, vous avez le MS67 avec la RAM du convoi qui est derrière, la version 3 caisse du 3 bis. Vous avez le MP68 qui est ici,
qui doit être, je crois, du Mexique ou Montréal. Vous avez du coup notre MP73, vu qu'il y a le MP67, MP73, forcément. Et il y a le N74, qui est du coup là, elle, c'est la RAM qui est présente à Montréal. Il y a aussi du coup, le fameux pack avec toutes les RAM. Donc là, vous avez les MP89, CC, le CA, la RAM de Lausanne, BE88TL, les versions chiliennes qui sont en réel comme ça dans la vraie vie. Ils ont une version 6 caisses, 7 caisses, 8 caisses. Là, c'est du 5, 6 caisses et du 5 caisses. Parce que du coup, 5 caisses pour faire comme si la 6 avait déjà eu CMP89 5 caisses. Voilà. Donc là, c'est pareil. Vous déplacez le fichier 00 dans le dossier du jeu. Et le fichier data dans le dossier du jeu. Et donc le data, lui, en fait, dans une rame de métro, par exemple, ou de train, il a dans la station de métro toutes les textures. Si vous voulez changer, par exemple, les pubs, je crois, c'est ça, c'est les pubs et les plans. Et toutes les activités, si vous voulez, par exemple, faire par exemple, le service sur City of Sam en MS67, si vous voulez faire la ligne Rhine Dam 1985 avec un MS67, par exemple, je crois que c'est ça. Les 2020 pour faire du coup les services avec les rames pneumatiques. En 2022, c'est pareil, c'est rames pneumatiques avec la rame c'est les deux pneumatiques. Et 1982 si vous voulez faire le service M77. Je l'avais déjà fait du coup. 1982, je l'avais déjà fait en plus en vidéo. Donc voilà, c'est pareil, le dossier data, vous le fichez dans le dossier du jeu. Donc là, vous avez dans le dossier du jeu, vous avez l'Alstom Métro ici, Rheindam 2022 ici. Et dans le fichier data, vous avez, que j'ai déclassé sans faire exprès, vous avez l'Alstom Métro dedans, la Rheindam 2022. Et si je vais par exemple dans ici 1982, j'ai par exemple l'activité RATP. Donc, voilà, là, vous avez vos cartes. Et pour être sûr que vous avez tous les add-ons, ben, vous avez juste en fait lancé le jeu Metro Simulator Beta, comme vous pouvez le voir, bon, qui est encore en full screen. Et vous allez par exemple, vous voyez là tous les add-ons que j'ai par exemple. C'est vrai que je vous montre pas très souvent ce bouton-là. Et si j'ai par exemple dans 1980, si 1982, je vois l'activité Weekend RATP. Et après je clique dans l'activité si je veux le lancer, je vais pas le faire. Donc là vous le voyez, il est ici. Et si par exemple la carte que vous avez installée, bah, du coup la Rheindam Métro 2022, et ben voilà la carte Rheindam 2022 que j'ai installée, il est ici présent. Vous voyez, tous les activités de base, comme la 5004. Et les activités, par exemple, que j'ai installées avec les RAM du métro Alstom, vous en avez par exemple ici sur l'MP73 et l'MP90 qui est là par exemple. Et le 2020 qui par exemple lui a l'air Porsche seul en MP73 3 caisses et l'air Porsche seul avec la RAM de Lausanne BE88TL. Donc voilà, vous avez vos add-ons qui sont dedans présents et vous pouvez lancer, vous pouvez faire explorer si vous voulez découvrir la carte. Sans activité, sans IA. Et si vous voulez découvrir la carte, vous allez dans l'activité et vous faites un service avec, en cliquant bien sûr un des boutons qui est là, par exemple ici, et vous cliquez dans l'activité. Dans MSB, il n'y a pas que aussi des maps et des trains que vous pouvez aussi télécharger. Vous pouvez aussi des fois télécharger des repaints. Donc il y a certains repaints qui sont assez intéressants. Par exemple, dans la partie MG2, vous cliquez dans le bouton to download et vous avez des livrées qui sont souvent des fois assez intéressantes, d'autres non. Alors, il n'y a pas bien sûr toutes les livrées, bien sûr. Et après, sinon, vous en avez aussi d'autres sur les SG2 des RAM. Moi, par exemple, j'avais installé le HTM. Donc là, vous cliquez sur le bouton download. Donc là, c'est hyper simple. Vous avez juste à cliquer download et vous avez le lien de téléchargement. Que moi, je vais pas le faire parce qu'il est déjà dans mon fichier ici, présent. Et pour tout simplement, en fait, mettre la livrée dans le jeu, vous allez dans le dossier du jeu. Donc là, vous ouvrez le fichier RAR. Vous allez dans le bouton Data. Vous allez dans Custom, Texture, et là vous voyez toutes les livrées de base qui sont déjà dedans, donc livrée des containers, la girouette de la HSM, la livrée des locomotives IC, des tramways de type Saint-Pétersbourg, les rames MG2 et la livrée du SG2. Donc là vous avez juste à déplacer ces fichiers-là. Et vous les remplacez. Alors, encore une fois, cela veut dire que vous pouvez mettre,
Vous allez voir, il faut toujours garder le même nom. C'est-à-dire que si il n'y a que 5 livres disponibles. 1, 2, 3, 4. Et bon, il y en a 4 de base. Parce que le cinquième est une livrée de démo, mais qui est sur une RAM qui ne roule pas. Donc ne changez pas le 5. Mais si par exemple vous êtes comme moi et que vous voulez conserver les livrées originelles 1, 2, 3, 4, je vous conseille de créer un dossier autre part que dans ce dossier du Metro Center Beta. Si vous voulez conserver ces livrées-là, échangez avec une autre livrée. Donc ça c'est pareil pour là j'ai fait avec une livrée, mais c'est aussi le cas par exemple avec une girouette. Si vous aimez par exemple changer la girouette d'une RAM, par exemple vous voulez changer la girouette du MVG classe A, une RAM que je kiffe, vous faites la même chose, vous cliquez download, vous allez enregistrer l'image sous. Par exemple moi je l'ai mis dans le dossier MSB tuto par exemple, et là vous allez directement vous les allez directement le mettre dans le dossier du jeu. Donc vous faites directement C programme Metro Simulator Data, vous allez chercher le dossier Munich texture et là vous remplacez la girouette officielle si vous voulez bien sûr. Si vous voulez pas, vous le laissez comme officiellement, vous gardez la girouette officielle. Par contre, si vous voulez le changer, vous pouvez le changer, le remplacer. Ça c'est uniquement si vous voulez le changer. Voilà. Si après vous voulez conserver la girouette officielle dans un autre dossier et le remplacer, vous le conservez dans un autre dossier et vous le remplacez. Comme ça, si un jour vous voulez la changer et le remettre, vous pouvez la remettre. Car de base, la girouette officielle qu'il a, normalement, c'est une girouette de chez Rheindam. Donc là, vous allez me dire, mais du coup, s'il a un truc de Rheindam, comment ça sert pour tout ce qui va être Simvielt? Lui, il est déjà dans la base. Lui, il est déjà dans la base du jeu. Cela veut dire que du coup, il n'aura pas besoin d'être modifié. Dès qu'il va être lancé dans le jeu SimViet, il aura déjà l'image qui est déjà enregistrée dans le base du jeu. Par contre, pour Rheindam, il est dedans, par exemple. Je vous rappelle bien sûr, je vous dis quand même. Pour finir, je vous rappelle quand même de bien conserver le site et le forum de Metro Simulator Beta pour savoir en temps réel les différentes informations. Vous pouvez voir que ça discute tous les jours sur des nouvelles RAM, sur des cartes, sur des quand il y aura des lives, ça peut être annoncé. Voilà, donc je vous conseille vraiment de bien regarder les nouveautés pour être sûr que tout ce que pour être sûr de savoir les dernières informations. Et comme annoncé, il y a aussi du coup les trois RAM qu'on va faire dans les prochaines vidéos de Metro Simulator Beta avec le TFS d'Alstom. Là, vous avez la livrée Grenoble ici, Rouen et Paris. Et il y a aussi des livrées qu'il a rajoutées en plus, des livrées fictifs, comme l'arrivée de Rotterdam ou d'Amsterdam, qui sont des livrées fictifs. En Grenoble, il a aussi fait la livrée moderne, là c'est l'ancienne livrée. On a du coup la RAM 11G, 12G des tramways de la GVB d'Amsterdam, avec toutes les versions. Donc 12G et 11G, la différence c'est qu'il y en a une qui est en bidirectionnel et l'autre en unidirectionnel. Et le NZDH tramway, qui du coup roulait aussi aux Pays-Bas et qu'on va pouvoir le tester dans les prochaines vidéos. Bah voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous avez compris maintenant les fonctionnalités, comment installer. Je pense que je vous ai bien expliqué. Dites-moi si ça allait, si ça allait pas. Dites-moi si vous avez réussi ou pas réussi. Je trouve que voilà, c'est assez simple à installer. Faut juste le savoir au premier coup d'œil. Je pense que la plupart de vous viennent dans Metro Simulator Beta mais ne connaissant pas comment installer. Maintenant, je pense que ça va permettre en effet de comprendre comment il faut faire pour installer une carte et tout. Dites-moi dans les commentaires si vous avez compris cette vidéo et tout. Nous, on se retrouve, je pense, très prochainement dans une prochaine vidéo. Comme toujours, n'oublie pas bien sûr de liker la vidéo si tu aimes ce contenu, à t'abonner à la chaîne si tu as envie de suivre des autres contenus que je poste et activer la cloche des notifications pour savoir en temps réel la prochaine vidéo. Je t'invite bien sûr à retrouver tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description de la vidéo ainsi que mon Discord. C'est là où tu vas pouvoir du coup me contacter directement en message des chats de Discord. Parce que pour ceux qui des fois me demandent des fois des messages dans les messages privés, désolé, mais si je vous réponds pas, c'est que voilà, je suis des fois toujours réticent aux messages privés. Voilà. Nous, bah du coup, on se retrouve peut-être, j'espère, je pense, d'ici cette semaine pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, si tu as envie de découvrir la prochaine vidéo, je t'invite bien sûr à cliquer sur ma chaîne en bas à droite. Ça faisait longtemps que j'ai pas dit cette intro, cette outro plutôt. C'était sur 14 Gamer. Sur ce, ciao tout le monde.